setting, and you're right here by my side. And the movie is playing, but we won't be watching tonight. Every look, every touch, makes me wanna give you my heart. I've been crushing on you, baby. Stay right where you are, 'cause I never knew you could have giving me Elvis with some James Dean in his eyes. Puts the lips on my neck, makes me wanna give him my body. I be falling for you, baby, and I just can't Pourquoi t'as coupé le son ? Je crois que tu le sais. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est Poli ? Paumé, Max. On est paumé. Mais non, on est quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Prenez le temps d'écouter ce qui suit, car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Hackett Squad. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention, Hackett Squad peut être un lieu dangereux si vous ne prenez pas garde à votre environnement. Quittez la balle des yeux et vous courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas d'obstacles. Attention. Joli réflexe, dis donc. C'est pas moi qui suis passé sur le nid de poule. C'est le nid de poule qui nous est passé dessous, il y a une différence. Waouh, ça c'est de la mauvaise foi de niveau olympique. Merci. Très impressionnant. Merci. Bon, on est toujours perdus. Tu sais, Max, c'est pas grave, ça n'affecte en rien ta virilité. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ses rivages, les États-Unis n'existeraient pas. Bye bye les hot dogs, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. De quoi tu parles ? Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse ? C'était un de ces mecs qui refusent d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben, ce mec-là a quand même eu un pays nommé en son honneur. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, à force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. C'est quoi ça ? Ouais, rigole. Je suis sérieux, pourquoi tu prends pas la carte normale ? C'est ça, la carte normale. Celle du téléphone. On capte pas. Évidemment. Bon, voyons voir alors. Je crois qu'ils marquent pas les colos sur les cartes. Et t'as pas vu de panneau ? Hé, regarde la route ! Wow. Oh.
va bien? Oui, oui. Enfin, en un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un ours? Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Laura, t'es sérieuse? On a renversé quelqu'un? Je sais pas. On est passé près, vraiment près, mais peut-être qu'on n'a pas... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture est foutue. C'est peut-être pas si grave que ça? Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Tu peux me passer ma boîte à outils dans le coffre? Ouais, ouais, bouge pas. Pourquoi tu m'as rien dit? Ah, merci. De rien. Je peux t'aider? Ouais, tu pourrais m'éclairer un peu par ici. Et voilà. Parfait, merci. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp. En train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Alors, imagine-toi assise devant un grand radiateur. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Tu vas où? Pas trop loin. Laura, reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. Allez, Max, dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. T'es sérieuse? Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Tu crois qu'on l'a renversée? Je veux juste vérifier. Ok, d'accord. Mais va pas trop loin, ok? Sois prudente. Ouais, ouais. Okay. Voilà. Sois prudente, ok? Va pas trop loin. Ok. Bonne chance à toi. Thank you.
Qu'est-ce que c'est ? Silas, l'enfant chien ? Merde. C'est trop chelou. Parle-moi, parle-moi. Il y avait quelque chose là-bas. Il y avait... J'entendais des bruits tout autour chérie, de moi. Chérie, chérie, respire, tout va bien. C'est la forêt. C'est la forêt, il y a des tas de trucs. Il y a des animaux, ça peut être vite flippant. Non. On peut s'en aller, oui, s'il oui, te plaît. Oui, oui, on y va. Okay. Ça va ? Ouais, écoute ça. Elle ronronne comme un chat. Max, allez ! T'inquiète, t'inquiète, on dégage d'ici. Dis-moi que tu te fous de ma gueule! Max! J'ai juste... Bon, laisse-moi une minute. Il faut qu'on parte, Max! Ah, tu m'aides pas beaucoup. Bordel, s'il te plaît! J'essaie de nous sortir d'ici, mais arrête, c'est... Arrête, putain! Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. C'est bon, ça va. Tout va bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde! Oh, putain! Oh. Oh, j'ai cru que mon cœur allait exploser. Baissez la vitre. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui ? L'un de vous est blessé ? On va bien, vraiment. On est juste un peu secoué. Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé ? Oui, quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... On s'est retrouvés là. Quelque chose, vous dites ? Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu.
Elle ? Vous avez percuté quelqu'un ? Non, mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas... Je suis... Je crois pas... Monsieur ? Laissez tourner le moteur. Monsieur ? Ce type est le flic le plus flippant que j'ai jamais vu. J'en sais rien, c'est la première fois. Que t'es arrêté ? Bah ouais, je suis pas une criminelle. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance. Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous n'atteindrez pas Hackett Squarry. Pas ce soir. Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord ? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ok, d'accord. Bon, on va dormir au motel, c'est compris. Il y a juste un petit problème. J'ai oublié de prendre le forfait trou du cul du monde pour mon téléphone. Il veut dire qu'on est perdu. Complètement. D'accord, madame. Sortez du véhicule. Quoi ? Je veux juste vous montrer comment aller jusqu'au motel sur votre carte. D'accord ? Bien sûr. Vous, restez dans le véhicule. C'est bon, je m'en occupe. D'accord. Ok. Alors, on est... à peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà ? Eh bien, je suis sûr que les propriétaires du motel Harbinger pourront vous l'indiquer. Dès demain matin. Le motel Harbinger. Restez sur la route. Attendez, et s'il y a quelqu'un par ici ? Oui, je vais voir. Bonne soirée. Pourquoi il reste planté là, ce taré ? Ce type était vraiment, mais alors carrément flippant. Il aurait bien besoin d'une bonne dizaine de douches. Putain, mais grave ! Et les traces qu'il avait là, tu crois que... c'était du sang ? C'était... un plaisir. Ah merde. Très bien,
On va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois pour ce soir, merci bien. C'est clair. Alors, où est le motel? Ok, bon, on est ici, mm-hmm. et le motel est là. Ok. Mais nous, on va là. C'est quoi? Hackett's Quarry. Comment t'as fait? Je sais pas, je me suis arrangée pour qu'il nous montre. T'as assuré? T'es sûre qu'on ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant? Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok? Ravie de l'entendre. Madame? Non, mais je te jure! S'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Hmm? Quoi? Bah, 20 ans, c'est... un peu beaucoup. Arrête. Tu sais, j'aime bien les madames. Ok, ça suffit. Non mais c'est une blague, y'a personne. On s'est tapé toute la route et y'a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ça que ça change. Eh oh! Je crois qu'il écoute pas ses messages. Et comment j'aurais pu le savoir? Enfin, y'a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd... Pourquoi y aurait une épave? Ouais. Dans la voiture. Max, allez. Max, sois pas con. Y'a quelqu'un ici?
Sympa. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je vais chercher de l'aide. Max! Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? Tu crois que c'est Monsieur Hackett? Je sais pas, je... Apporte des outils, on doit casser le cadenas. Hé, je suis là. On va vous sortir d'ici. Hé! Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené, là? Il y a quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Quoi, si, là. Je regarde, je vois rien. Laisse-moi voir. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ok, bon. Prends le marteau. T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Bon, d'accord. Les clés. La vache. T'as besoin d'aide? Oui. T'as jamais vu Evil Dead, hein? Eh oh! Vous êtes blessé? Vous existez? Eh, fais attention. Max ? Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait quelqu'un ici, je t'assure. Eh ? La nuit a été longue, ok ? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Mais tu dois être épuisé, moi je le suis. Notre imagination... Max ! Max !
Aide-moi. Tu perds beaucoup de sang, Fred. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger ? Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Faites comme chez vous. Allez-y. Je vous attendais. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu votre guide dans l'inconnu. C'est fascinant, oui. Et terrifiant. Mais avec du courage et bien sûr votre autorisation, je vous aiderai. Nous nous entraiderons. La carte que vous avez trouvée. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. L'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques, la spontanéité, les actes irréfléchis et toutes les conséquences qui en découlent. Oui, cherchez et vous ne vous brûlerez pas. Je peux vous en montrer plus si vous le souhaitez. This is what might come to pass. A possible future. A path yet unchosen. Look here, look here. Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous, si vous le voulez. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous,
ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts.